Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On va se faire aujourd'hui une petite revue mode. Je suis trop contente parce que j'avais trop hâte de vous filmer cette vidéo. J'ai fait le big haul accessoire là il n'y a pas longtemps, le big haul make-up et là le big haul mode, je vous l'avais promis parce que j'ai trouvé plein de petites pépites, de petites merveilles encore. Il faut absolument que je vous les fasse partager, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez bien, que tout va bien chez vous, hein, c'est le plus important. Et bien écoutez, on va commencer, juste un petit mot. Si cette vidéo vous plaît, bien sûr, n'oubliez pas de me laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait. De me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Et vos petits tuyaux, vos petits conseils, vos petites pépites à vous aussi, hein, je suis preneuse. On se retrouve en mode make-up, no make-up, hein, j'ai juste fait un petit peu mon teint, c'est tout. J'avais pas trop envie de me maquiller aujourd'hui. Mon petit rouge à lèvres là, par contre, que je trouve absolument sublime, sublissime, c'est la collection, la fameuse Made for All là, de Maybelline. C'est le 368 Plum for Me, c'est celui-là. Franchement, je l'adore là. Quand on fait un make-up, no make-up comme ça, juste le teint, mascara, sourcils, un petit rouge à lèvres comme ça, ben franchement, j'adore la couleur. Regardez ça. Regardez. Bon bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler fringues. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous montrer toutes les petites pièces que j'ai trouvées. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos, les marques, les prix, je vous mettrai tout. Et dans un second temps, je vous les montre portées sur moi parce que je pense que ce sera un peu plus parlant. Bah écoutez, je commence juste par deux petits accessoires que j'ai trouvés qui sont top. Je me suis trouvé des petites lunettes de soleil, trop choupinettes. Je les ai achetées à la halle, mais peut-être que vous les avez vues sur Instagram. Je les ai postées dans une photo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que je publie plein de petites photos. Je vous mets le lien là en dessous. C'est celles-ci. Franchement, elles sont trop belles. Je les adore quoi, toutes rondes comme ça en mode un peu vintage. Franchement, je les ai trouvées trop belles, j'en avais pas des rondes. Et à la halle, j'ai payé 4€ quoi. Donc bon, c'est pas de la qualité de fou, ça protège pas les yeux, voilà, mais c'est le style on va dire. Mais je les ai trouvées trop mignonnes. Et j'ai trouvé deux petits serre-têtes pareil à la halle comme ça. Je les mets dans mes vidéos des fois. Tac, un peu en mode... celui-là il est un peu en mode wax, vous voyez, comme ça. Mais hyper coloré. Et le deuxième c'est un peu le même genre, c'est pas du wax, mais toujours pareil, avec des couleurs vives et tout comme ça. J'ai trouvé que c'était trop mignon. Et en plus c'est hyper pratique, voilà, quand on n'a pas envie d'avoir les cheveux dans la figure. Donc voilà, les petits accessoires préalablement aux fringues. On va commencer par Promode. Allez, Promode c'est une marque que j'adore, vous savez. Je trouve toujours là-bas plein de fringues originales, stylées. En plus c'est pas trop cher. Donc on commence par ça. Bon, première pièce chez Promode, elle est assez simple, hein. En fait c'est un petit débardeur noir comme ça, qui est tout simple, mais avec en haut, vous voyez, une sorte de dentelle un peu anglaise. Et ça, c'est vraiment le genre de pièce qui va avec tout, n'importe quel bas. Vous mettez ça, rentrez un petit peu dans le pantalon comme ça, avec une jolie ceinture et de jolis bijoux noirs. Voilà, ça passe avec tout. Et le petit détail justement de dentelle anglaise, je trouve que ça fait un petit côté glamour, un petit côté original. J'ai trouvé vraiment sympa, je l'ai payé presque rien. Mais ça, voilà, c'est vraiment un peu le passe-partout, quoi. Mais toujours utile. J'ai trouvé chez Promode un super short pour l'été là. Regardez comme il est joli. Il est très coloré. Il est comme ça. C'est un petit short, vous voyez. Je vais l'écarter un peu de la caméra. Avec plein de... C'est un peu des motifs un peu genre feuilles. Mais vous voyez, il y a du marron, il y a du orange, du rouge, du noir, du bleu. Mais j'ai trouvé que toutes ces couleurs s'associaient très bien ensemble. Et d'ailleurs, je l'ai mis il n'y a pas longtemps avec le petit top noir. Parce qu'en fait, c'est un short qui est taille haute. Et vous avez une petite ceinture là du même tissu que le short, donc que vous pouvez bien serrer là pour cintrer. Taille haute, bon, il est assez court, mais je l'ai trouvé vraiment très vivant, quoi, très peps là pour l'été. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors toujours chez Promode, parce qu'il y avait du déstockage, je me suis trouvé la robe orange, vous savez, un petit peu perlée, que j'ai mis dans une de mes vidéos et sur Insta aussi. Et du coup j'ai trouvé celle-ci. Alors c'est un peu le même genre, vous allez voir, sauf qu'elle n'est pas orange, elle est rouge. En fait elle est comme ceci, donc elle est perlée également, regardez, tout le long là, des bretelles et puis du décolleté avec des perles rouges, noires, blanches. Donc elle se cintre ici en fait en dessous de la poitrine avec une petite ceinture en corde comme ça. Et elle est vraiment longue jusqu'au pied, quoi, elle est extrêmement longue. Je l'adore avec des hauts talons comme ça, je trouve ça très joli. Comme elle se cintre, bah, du coup ça fait féminin.
Et j'ai trouvé top, vraiment longue jusqu'au pied, rouge, peps, comme ça, j'ai adoré quoi. Et la dernière chose que j'ai trouvé chez ProMode, c'est une très 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 jolie jupe taille haute, qui, bon, tout le monde n'oserait pas la porter, mais moi j'adore porter ce genre de jupe plissée, qui est comme ça en fait. Donc un petit peu dorée, en fait elle est dorée et blanche. Vous voyez ici, elle est vraiment taille haute et on a un élastique en fait à la taille. Et elle arrive à peu près en dessous du genou. Mais je l'ai trouvée sublime. Je la rapproche pour que vous voyez bien le tissu plissé comme ça, avec les petites touches de doré. Je l'ai trouvée vraiment, vraiment magnifique quoi. Vous voyez, elle est à peu près ouais, en dessous du genou. Et ça, c'est trop joli comme ça, là, avec un petit haut un petit peu bouffant. Moi, je préfère un haut noir pour vraiment faire ressortir le blanc et le doré de la jupe. Et elle est fluide, elle est hyper agréable à porter. J'ai vraiment adoré celle-ci aussi. Alors ensuite, dans une petite boutique qui s'appelle Accessories, d'ailleurs dans le Big Haul Accessoires, je vous ai montré pas mal de choses, ceintures, lunettes, bijoux et tout, qui venaient de cette boutique. J'ai trouvé ce petit top en fait, j'ai craqué, j'ai trouvé trop original. Il est comme ça en fait, on a un petit col comme ça qui est noir et blanc. Et il se porte hyper large en fait, vous voyez. Et il est vraiment... Alors la vendeuse, quand elle me l'a montré, elle m'a dit « Ah, vous voulez le... » Parce que je lui dis « Je peux avoir le top s'il vous plaît qui est dans la vitrine ?» Elle me dit « Ah ouais, le top filet de pêche. » Super vendeur quoi, enfin bon bref. Et bon voilà, hyper large, mais j'ai adoré comme ça un peu un haut un peu filet. Donc soit, par exemple quand je vais à la plage ou je sais pas, voilà, que je suis à l'aise, je mets juste un soutien-gorge en dessous ou une brassière. Sinon, pour cacher, pour que ce soit moins, voilà... moins voyant, on met un petit débardeur blanc à bretelles, vraiment tout simple dessous, mais je l'ai trouvé vraiment super, super original ce petit top. Il existait en noir aussi, mais je trouvais qu'en noir ça flashait moins en fait. En blanc, je préférais, surtout pour l'été, le blanc ça fait ressortir un peu le bronzage et tout, donc c'était pas mal du tout. Dans un petit dépôt vente à La Réunion, j'adore les dépôts ventes parce que je chine, je cherche et tout, on trouve des fois des petites pépites quoi. J'ai trouvé ce petit top vert que j'ai déjà mis dans une vidéo d'ailleurs, je crois. C'est Zara, ouais, c'est Zara. Et ici, on n'a pas de Zara à La Réunion, enfin, je ne crois pas. En fait, il est en dentelle, assez transparent. Donc moi, je le mets avec un soutien-gorge sans bretelles couleur chair. Il est assez court hein, quand même, vous voyez, il est assez court. Mais j'ai vraiment adoré parce que là, on a des petites, ouais, des petits volants comme ça sur les épaules. Et c'est vraiment un vert, regardez, je rapproche de la caméra, c'est vraiment un vert azur, quoi, un vert peps, quoi, intense. J'ai trouvé trop beau dans un dépôt-vente pour 5 balles, je l'ai eu. Et pareil, dans ce dépôt-vente, il y avait un petit gilet de la marque Zadig et Voltaire. Donc je pense que Zadig et Voltaire, en temps normal, c'est vraiment une marque enfin, qui coûte très 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 cher. Donc ça, on va dire, c'est plus un accessoire qu'une fringue. C'est un petit gilet comme ça, vous voyez, qui est tout simple, qui est un peu, ouais, un peu style bobo chic. En fait, il est perlé comme ça. Il est perlé avec plein de petits sequins argentés. Et ce genre de petit top, en soirée, porté sur un débardeur noir par exemple, c'est juste un petit gilet qui... Bon là ça va pas du tout avec ma tenue bien sûr, mais je vous montrerai tout à l'heure porté. C'est juste un petit gilet, ouais là ça rend rien du tout, qui va apporter une petite touche de style quoi, d'originalité. Moi je l'ai porté il y a pas longtemps avec un très grand sautoir un peu argenté. Et franchement ça faisait trop joli quoi, avec un petit jean, c'était vraiment... C'était vraiment sympa. Et ça, je sais pas combien ça coûte en temps normal cette marque, mais moi je l'ai payé 3 euros. Ah non, mais moi je suis vraiment la reine des bons plans. Hein. C'est pour ça que je veux absolument vous faire les vidéos, parce que tous les petits bons plans que je trouve, je suis sûre qu'il y a des choses qui vous plaisent, que vous aimeriez acheter. Donc je veux trop vous les faire partager quoi. Alors ensuite, chez La Halle, toujours une marque franchement qui est vraiment abordable. Et une marque dans laquelle on trouve vraiment parfois des petits trucs très 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 sympas. Je me suis trouvé ce petit top qui est bleu marine, vous voyez, comme ça, qui est assez large, hein, assez fluffy, assez ample. Et en fait, le petit détail, il est là, du coup, sur les manches, vous voyez, qui sont hyper, hyper larges. C'est une sorte de petite dentelle, alors pas forcément dentelle anglaise, mais style dentelle anglaise. Mais j'ai beaucoup aimé, je trouve, ouais, je trouve assez, assez chic, assez élégant. Je l'ai mis la dernière fois avec un jean, je l'ai rentré à l'intérieur, j'ai mis une jolie ceinture blanche. Et c'était pas mal. Et là, on a un petit nœud devant avec des petites perles blanches au bout du nœud. J'ai trouvé vraiment, vraiment sympa. Toujours chez La Halle, je me suis trouvé ce top que j'ai mis aussi, je crois, dans une vidéo. Qui est un top, en fait, un peu style lurex, qui est comme ça, vous voyez. Donc, avec des motifs comme ça, un peu asymétriques, beige, marron,
avec un peu de... Ouais, marron clair, marron foncé, puis beige. Les manches sont comme ceci, vraiment larges, moi j'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les épaules en fait, parce que là, vous le portez comme ça. Donc moi, je le mets avec un soutif sans bretelles, hein, une brassière, c'est beaucoup plus joli. Et sur les épaules, vous avez le petit détail ici. En bas, il s'attache avec un nœud comme ça. C'est, franchement, il est trop joli ce haut, je l'aime trop. Il est rendu comme ça, enfin sur soi, il fait vraiment magnifique quoi. En plus on voit les épaules, c'est très original. À chaque fois que je l'ai porté, tout le monde me disait waouh, ouais, il est beau ton haut, là, là. Je dis ouais, c'est la halle, tout simplement la halle quoi. Et le dernier petit top que j'ai trouvé chez la halle, bon rien à voir, hein, ça c'est un top vraiment qui fait un peu ado, vous allez voir. Mais en fait ce que j'ai aimé, c'est le message qui est marqué sur le top. Voilà, les filles ne s'habillent pas pour les garçons. C'est un petit débardeur Crix comme ça. Il est tout simple, hein, mais j'ai trouvé trop bien. Et Girl Power, franchement, j'ai aimé le message. On s'habille pour nous, on se fait plaisir pour nous. Après, j'ai découvert une petite boutique qui s'appelle Vero Moda. En fait, c'est pas du tout nouveau. Vero Moda, ça existe à La Réunion, ça existe en métropole, ça existe partout. Mais je sais pas, moi j'y allais jamais en fait. C'est une boutique, j'avais jamais le réflexe de rentrer dans cette boutique. Et j'y suis rentrée et du coup j'ai trouvé alors ce petit top comme ça qui est en soie en fait, en soie il est écru, il est pas blanc, il est écru et en fait on a de la dentelle ici tout le long. Vous savez c'est la mode un peu en ce moment des tops type lingerie quoi, on en voit un peu partout de ces tops là, je sais c'est pas très original mais en tout cas moi j'en avais pas. Et enfin si j'en ai un qui est vert je crois, hein, qui est vert ouais. Et franchement je l'ai trouvé trop mignon. Ça c'est vraiment le top, ce genre de haut là, qu'on peut mettre de plein de façons différentes. On peut très bien le mettre en mode cool, décontracté, enfin vraiment chill quoi. Et on peut très bien le mettre aussi de manière à ce que ça fasse très élégant je trouve, avec une belle jupe ou un beau pantalon, des hauts talons et des jolis bijoux. Et là ça fait tout de suite... Hyper classe je trouve. J'ai trouvé deux petits pantalons, c'est les mêmes. C'est alors deux. Alors celui-ci il est comme ceci, il est vert un peu clair. En fait c'est des pantalons stretch quoi, hein, qui sont serrés en bas comme ça. Donc qui font un petit peu effet push-up sur les fesses. Et je les ai trouvés trop beaux portés. En fait j'ai adoré les couleurs. Donc il y a celui-ci, vous voyez, qui est en vert clair. Je l'ai trouvé trop stylé. Ils sont assez simples, mais en fait, ils mettent vraiment en valeur les fesses, les jambes. Enfin, vraiment, ils sont trop jolis. Vous les verrez sur moi tout à l'heure. Et du coup, j'ai pris le même en jaune, comme ça. Mais c'est un jaune, vous voyez, qui est assez pastel, qui est assez doux. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est pas un jaune, c'est pas un jaune flashy, un jaune peps, ni un jaune moutarde. C'est vraiment un petit jaune sympa pour le printemps-été, quoi. Et voilà, les petits pantalons comme ça, ça sert toujours, quoi. Et je trouve ces couleurs pour l'été vraiment, vraiment très sympas. Chez Vero Moda, il y avait un petit top aussi. Bon, ça, je ne l'ai pas payé grand-chose, hein. Je l'ai payé 7 euros, je crois. Qui est vraiment tout simple, c'est un débardeur, en fait. Avec de la dentelle en haut aussi. Donc là, c'est pas de la dentelle anglaise, par contre, c'est de la dentelle, je sais pas, normale, quoi. Celui-là, il est cintré, par contre, il est près du corps. Donc, il est assez moulant, on va dire. Noir, pareil, valeur sûre, ça passe avec tout. Mais voilà, du coup, je l'ai embarqué à la caisse. Et je me suis acheté deux sous-vêtements. Bon, je vous les montre quand même. En fait, chez Vero Moda, j'ai trouvé ça génial. C'est des sortes de petits soutiens-gorge, en fait, qui sont comme ceci, vous voyez. Et donc, vous avez ici une bande de dentelle qui descend sous la poitrine. Je trouve ça hyper joli. Mais surtout, c'est très agréable à porter, en fait, parce qu'il n'y a pas d'armature. Donc du coup on a vraiment la poitrine qui est soutenue mais qui n'est pas serrée, ratatinée, enfin vraiment c'est, on a l'impression de ne pas avoir de lingerie, ça c'est super agréable, mais quand même la poitrine maintenue. Donc j'ai pris celui-ci en bleu marine et je l'ai pris en vert kaki aussi. On va passer à The Original Shop. Je vous en ai déjà pas mal parlé, je crois, de cette boutique qui existe ici à La Réunion. Je crois qu'elle existe en métropole, mais sinon vous pouvez aller sur le site theoriginalshop.com, je vous mettrai dans la barre d'infos. Et j'adore cette boutique, ils font des fringues, des chaussures, des accessoires, de la déco, des bijoux, mais hyper originaux quoi, enfin, j'adore ces pièces. Donc d'abord je me suis pris ce t-shirt que je porte aujourd'hui là, Don't be a jerk, petit t-shirt bon, qui fait un peu ado, je l'ai payé 5 euros mais j'ai trouvé le message, sympa et il est hyper confort, c'est un t-shirt que je mets souvent à la maison pour traîner, mais voilà, j'aime bien avoir ce type de pièce comme ça dans mon dressing. J'ai trouvé une robe absolument sublime, mais
là elle va pas donner grand chose, mais je vous la montrerai sur moi tout à l'heure, qui est longue en fait. Regardez, je vous montre le haut déjà. En haut elle est comme ça en fait. Donc déjà j'ai trouvé la forme du haut de la robe hyper originale. Donc c'est de la dentelle anglaise, vous voyez. Et voilà, c'est partout, partout, partout de la dentelle anglaise. Elle se cintre ici, là, en dessous de la poitrine. Donc, c'est vraiment la robe bohème, quoi. C'est vraiment la robe bobo chic, bohème, blanche, très, très longue. Donc, elle est longue comme ça jusqu'au pied. Et en bas, vous avez un petit détail, comme ça. Donc, ça fait un peu Lorraine Gals, hein. Voilà, la petite maison dans la prairie. Mais je l'ai trouvée trop jolie. Franchement, cette robe, je l'adore. Je la trouve magnifique. Et alors, la dernière pièce que j'ai achetée dans le magasin, la Original Shop, mais alors c'est ma pièce préférée de tout le haul mode. C'est vraiment, quand je l'ai vue, mais j'ai craqué, c'est genre coup de cœur direct. En fait, c'est une combi, regardez comme elle est belle. C'est une combi short qui est courte, donc elle se porte, voilà, comme ça. Donc elle n'est pas très décolletée, hein, en fait, elle est, voilà, vous pouvez l'attacher ici avec un petit nœud si vous voulez, ou laisser comme ça. En fait, elle n'est pas très décolletée parce qu'elle est très courte. Le short est très court. Donc, du coup, si c'était court plus hyper décolleté, ça ferait vraiment too much. Donc, j'ai adoré le motif déjà. Noir comme ça avec des petites cerises dorées. Ce que j'ai adoré, c'est les manches. Regardez les manches. Les manches, elles sont hyper larges avec cette forme comme ça, hyper fluide. Là, elle paraît un peu transparente parce qu'il y a la lumière du soleil en face. Mais portée, elle est absolument pas transparente. Et en fait, elle se porte taille haute. Elle est cintrée comme ça. Et quand on le voit comme ça, on dirait que c'est une combi jupe. Mais en fait, pas du tout. C'est une combi short. Et donc ça, c'est génial parce que ça paraît très court. Mais du coup, vous pouvez vous accroupir, vous baisser, etc. On verra jamais rien parce que c'est vraiment un short. Et je l'ai trouvé, mais magnifique. Avec les manches comme ça, ample, c'est trop 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 beau quoi. Franchement, elle est, j'ai craqué, j'ai trouvé sublime. Et alors moi, je l'ai portée là dans une soirée avec des hauts talons. Ça allonge les jambes en plus alors que je fais 1m63. Franchement, ça c'est une petite pièce. Elle existait en blanche et en rouge. Moi, je l'ai pris en noir parce que j'ai vraiment trouvé que, voilà, avec les petites cerises dorées sur le noir, ça ressortait beaucoup mieux. Et déjà que la pièce est très 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 originale en elle-même, je préférais prendre noir. Je trouvais que ça faisait plus classe. Mais ça, pour moi, c'est une petite merveille, quoi. Vraiment. Allez voir sur le site, on sait jamais. Je pense qu'il y en a encore. Bon. Ils en ont énormément vendu, hein, là, pour l'été, parce qu'elle a vraiment, vraiment très, très bien marché, cette petite combi short. Mais si elle vous plaît, allez voir, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors, il nous reste deux petits magasins. Donc, le premier, c'est Vendôme, un magasin dans lequel je vais tout le temps à La Réunion, parce que j'y trouve, pareil, des petites merveilles. Je me suis trouvé ce petit top, là, que j'ai trouvé magnifique, qui est noir comme ça, très très ample aussi, hyper fluffy, hyper fluide. Donc ce que j'ai adoré bien sûr, c'est le décolleté comme ça, tout perlé. J'ai vraiment trouvé ça vraiment magnifique. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment très 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 joli. Je trouve ces perles là qui se joignent ici au niveau du ventre. Du coup, on a le rappel ici des perles en fait sur les manches. Les manches sont assez courtes, hein, vous voyez, c'est une sorte de t-shirt en fait. Mais j'ai trouvé que le petit rappel là était trop mignon. Et on a en fait un petit nœud en bas, ici, qu'on peut nouer du coup, pour le porter un peu en mode un peu bouffant quoi. Mais j'ai trouvé ce haut top, top, top. Je me suis trouvé une petite jupe en lurex, parce que vous savez à quel point j'adore le lurex. Bien sûr, elle est comme ça. Bon, vous allez me dire, faut oser la porter, hein. Moi je la porte, moi j'ose, mais je la porte surtout le soir, hein, en soirée. En fait, elle est verte, vous voyez, comme ça, tout en lurex, un peu brillante, donc elle se porte taille haute, et ici, on a un élastique, donc vraiment, elle est hyper confortable, et on a, vous voyez, en fait, elle s'arrête là, et on a le lurex qui descend un peu plus bas que le tissu du dessous, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, la transparence ici, elle se porte en dessous du genou, j'ai trouvé vraiment, vraiment super jolie cette petite jupe. Retour dans les années adolescentes, je me suis trouvé un petit top, regardez, un petit top comme ça en mode pull avec une capuche derrière, il est tout troué, enfin il est tout troué, il n'y a pas non plus des masses de trous, mais je veux dire, il y a quelques trous quoi, c'est un peu grunge on va dire, mais franchement j'adore porter ça, je le mets comme ça,
C'est un t-shirt court. Il est assez court, hein, voyez, au niveau de la longueur. Moi, je le mets avec un jean un peu destroy. J'aime bien. Ça me fait un petit look ado. Quand je le mets, on a l'impression que j'ai 20 ans. Mais je m'en fous. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas trop mon style habituel, en fait. C'est pas trop ce que je mets habituellement. Mais il était vraiment pas cher. Et du coup, j'ai craqué, quoi. Et la dernière petite pièce que j'ai trouvée chez Vendôme. Bon, quand on la voit comme ça, ça paraît pas forcément très jolie. Donc, je vais vous la montrer sur moi. En fait, c'est un haut qui est noir comme ça, qui est hyper hyper fluide. Donc il a rien d'original quand on le voit comme ça, mais porté il est vraiment très 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 joli. Donc faut l'accessoiriser avec de jolis bijoux, voilà, une belle ceinture et tout, mais hyper confortable en plus. Et ça, pour le soir quand il fait un petit peu frais, c'est top. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est les manches. Vous voyez, parce qu'elle se serre comme ça au niveau du poignet. Et du coup, ça donne un effet qui est super élégant, en fait, sur les bras. Parce que les bras sont larges. Et comme c'est serré au niveau du poignet, c'est vraiment très joli, quoi. Et alors, la dernière petite boutique, c'est une boutique qui s'appelle L'Effet Pays. Donc ici, à La Réunion, L'Effet Pays, c'est The Mascotte. C'est The Boutique. C'est vraiment la boutique emblématique de La Réunion. Donc, vous ne la trouverez pas en métropole, L'Effet Pays, je crois. Mais sur le site L'Effet Pays, on trouve toutes ces fringues. Je me suis trouvé un petit short de maison, un petit short ananas, comme ça, tout mignon. Bon, il est court, hein, donc je le mets soit pour aller à la plage, soit pour rester à la maison. Mais il est hyper confortable, tout en coton. Donc on a marqué L'Effet Pays ici, L'Effet Pays derrière, avec les petits ananas dorés, bleus. J'ai trouvé trop choupinou, en plus il fait des super jolies fesses, donc c'est cool. Non, il est trop mignon. Et une très jolie robe, donc là pareil, ça va pas donner grand chose montré, mais portée, vous allez voir, elle est très belle. Alors, c'est une robe qui est corail en fait, qui est extrêmement longue, mais alors jusqu'au pied. Et pour la porter, il faut même mettre des hauts talons. Donc, devant, elle est comme ça en fait, assez simple, donc avec marqué L'Effet Pays ici. Ce qui est original, c'est le dos, parce qu'en fait derrière, elle se noue comme ça, avec un nœud en coton avec, vous voyez, des fleurs comme ça, un petit peu bohème. Donc on a un dos nu, ça c'est très joli. Donc faut la porter avec une grosse ceinture bien large en fait, pour serrer la taille. Et du coup, moi je la porte, je fais bouffer un peu le haut. Et après, elle est longue jusqu'au pied, vraiment très longue. Et comme vous voyez ici, on a toute une frange de dentelle corail que j'ai trouvé absolument sublime, quoi. Vraiment magnifique. Et là, c'est pareil, c'est un peu en mode Lauren Girls, quoi, le bas. C'est très bohème, mais porté, c'est magnifique. Je vais vous montrer ça. Ben écoutez, voilà toutes mes petites trouvailles mode. J'espère que ça vous plaît. Et ben écoutez, maintenant, je vais les enfiler pour que ce soit plus parlant. Je vais pas forcément accessoiriser à chaque fois. C'est surtout pour vous montrer la tenue portée. Voilà, je finirai la vidéo comme ça. Donc si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si certaines pièces vous intéressent, bon, même si je mets des infos justement en barre de description, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, hein, encore plus d'informations si j'en ai pas mis suffisamment, si vraiment elles vous plaisent. Allez-y, c'est, enfin, je trouve, en tout cas, moi, c'est mes goûts, c'est mon style, mais des pièces originales et puis pas trop chères surtout, parce que l'idée, c'est pas de se ruiner, c'est de partager les bons plans à des prix abordables. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo mode vous aura plu. Je vais vous laisser, je vais aller enfiler tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye!